Hello les gens, c'est AMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Les Nuits d'Arabie sur Open Universalis 4, une série dans laquelle on est en guerre contre Vijayanagara et dans laquelle on a de la surexpansion, un peu de surexpansion, et on perd de l'argent. On lutte, ouais, parce qu'on lutte peu contre la corruption actuellement, c'est vrai. Mais on a le moyen, si je me rappelle bien, de faire ça, donc l'idée c'était on va la laisser monter encore un tout petit peu. La faire monter à 2, puis après on cliquera une fois là-dessus. Je pense que c'est plutôt pas mal. Que dire? En commentaire, on m'a demandé si l'idée de. Enfin, on m'a proposé plutôt l'idée de d'unifier le Maghreb et l'Andalousie. Et je pense que c'est une bonne idée, et ça nous fait un peu réfléchir à ce qu'on va faire, hein, ce qu'on en parlait un petit peu. Je disais la dernière fois que le plus simple pour nous, hein, ce serait clairement d'aller dans cette direction-là, je pense. C'est des provinces qui coûtent rien et qui seront faciles à convertir, et puis qui seront faciles à choper, quoi. J'avais pas vu ça. Mais l'idée, effectivement, de prendre cette région-là, ne serait-ce que pour unifier, en fait, nos terrains avant la fin. Notre empire, en quelque sorte, avant la fin, c'est effectivement pas idiot. On n'a pas besoin de beaucoup plus. On va déjà prendre beaucoup ici. Je pense. Avec Mewar. Quand on aura à manger Mewar. Ici, on va prendre encore une partie avec Vijayanagara. Je sais plus ce qu'on avait dit pour Vijay, ce qu'on prenait. On a sorti, c'était qui? C'était Rewakanta, qu'on a sorti très vite, me semble-t-il. Non, qu'on n'a pas sorti très vite, qu'on a bouffé, en fait, purement et simplement. Ok. Ouais, on est ça bouffé, c'est vrai. Complet. Ok. Effectivement, hein, on m'a fait la remarque, mais Gujarat considère certaines provinces comme légitimes ici. Ouais. On va arrêter de les. De les assimiler et on va donner tout ça à Gujarat dès que ouais dès qu'on aura fini on va donner tout ça à Gujarat comme ça il servira un peu à quelque chose quand même ça va nous permettre de diversifier un peu l'endroit d'où on fait venir nos points mais bon cela dit c'est vrai qu'on n'a pas non plus dramatiquement besoin de points on pourrait prendre cette tech hein, honnêtement est-ce qu'on a vraiment un intérêt à ne pas prendre cette tech parce qu'on n'aura jamais l'institution des Lumières. C'est pas possible. Hein. C'est vraiment presque physiquement pas possible, je pense. On est à des années-lumière de pouvoir le faire, et ça monte beaucoup, 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 beaucoup trop lentement. Donc, prenons-les maintenant qu'on peut, en fait. Je vois qu'il n'y a pas tellement de raison de pas le faire. Voilà. On peut ici prendre un groupe de doctrine. On verra. Pour le moment, c'est pas d'une importance capitale. On a des provinces à légitimer qu'on va pas légitimer du coup. A priori, on légitimera les autres après, mais pour le moment, celle-là, on va pas les légitimer. Et on va finir cette guerre avec Vijayanagara. Je sais pas exactement ce qu'on va prendre à Vijayanagara. On n'a pas besoin de prendre des masses non plus. Mais on peut prendre effectivement une petite partie. Et puis, l'idée, hein, pour revenir là-dessus, de prendre ça, c'est effectivement. Ça me paraît assez intéressant. C'est des grosses guerres, cela dit. C'est un peu le souci. Qui sont les deux. Les deux sont alliés à la Pologne. Again. D'accord. Et la Pologne, bon, elle est alliée à la Lituanie. Hein. On verra, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Pour le moment, je propose de continuer cette guerre-là et de voir un peu ce qu'on peut prendre. Ok. On peut prendre fondamentalement, hein. Sur tout ça, on a ces provinces-là. Les provinces qu'on peut légitimer maintenant. On a quoi? 6, 11, 15, 18. On a 18 de surexpansion à cause d'elle. Une fois qu'on aura fini de légitimer celle-là, là, on pourra redonner 18 encore à Gujarat. Donc on verra, hein. On va déjà finir de légitimer toutes ces provinces qu'on peut légitimer maintenant. Et puis on finira la guerre contre Vijayanagara juste pour voir un peu où on en est, ce qu'on peut prendre dans cette histoire.
Pour le moment, continuons comme ça. Très bien, très bien, très bien. Ok. Ça tombe. Super. Let's go. Trêve avec Naples terminée, ok. On a encore des forts à prendre dans la région? Ouais, on en a plein à prendre encore, allons-y. Pas tellement de raison. Toi, t'as fait ton taf, tu vas aller prendre ça maintenant. Là, ensuite. Ici, on prend tout ça, hein, son vassal. Ok. On se retrouve ici. Très bien. Gaffe par là. Ah, on a encore du monde ici. Ok, je l'avais pas vu ça. Bon, on a des stacks là. Ok. Là, on a ça. D'accord. Bon, pour le moment, toi, vu que t'as un général, tu vas revenir dans la région, tu vas t'occuper de ça. Et toi, tu vas t'occuper de prendre tout ça. Pas de souci. Ici, on se regroupe avec nos 30 000 troupes. Bon, cela dit, on peut les refaire, rediviser. Ok, ici ça devrait tomber tranquillement, pas tout de suite mais ça va pas tarder. Toujours notre problème avec les sièges. 71%, non, ça veut pas. Là très bien. Monte dans cette direction là, on occupe ici, parfait. Alors, toi tu vas où? T'es allé là, toi tu vas aller là, toi tu vas donc aller là, nos soucis. Très bien. Siège de Vijayanagara est terminé, on va dans cette direction, non, non. Alors, j'ai pas trop réfléchi, un troisième groupe de doctrine militaire semble exagéré, honnêtement. On a pas mal de points admin, étonnamment, mais cela dit, on va quand même en utiliser beaucoup. Donc on pourrait envisager d'aller chercher une doctrine admin. Ce serait du coup administratif, pardon, ce qui n'est pas non plus exceptionnellement intéressant et important. Une doctrine diplo, réfléchissons, on génère combien de points diplo? On génère pas mal de points diplo, c'est pas un problème, même si on a des dégâts hyper mauvais. Lui on a dit qu'on le virait pas hein, parce qu'il était proche. Financièrement, alors on va recommencer à lutter un petit peu contre la corruption, je propose. Voilà. Et puis, on pourrait faire l'effort d'améliorer ces gars-là. On le fera après. Pour le moment, vu qu'on lutte contre la corruption, on a encore quelques problèmes financiers. Ouais. Là, on est en train de revenir sur ces gars-là. Très bien, alors ok, on va se faire attaquer ici, on s'en fout un petit peu. Venir là quand même. Très bien. Ici on a 21 000 troupes qui arrivent de Vijayanagara pour reprendre Vijayanagara. On va les en empêcher. Ici, ça. Ici on va faire, on va attendre qu'il passe, on va faire ça. Très bien. Ici, on est en train d'aller dans cette direction là-bas, toujours. Parfait. Siège de machin chose. Très bien. Voilà, salut. Nouvelle madrasa, super. Ici. Comme ça. Ici, comme ça. Ok. J'ai pas vu où on a défoncé. Ah si, c'était là-haut qu'on a défoncé les... du monde. Très bien. Mettre là maintenant. Ok. Ici. Défoncer ceux-là. Là. On va aller là maintenant. Hop. Avoir run. Nouvelle prince légitime. Très bien. Hop. Maintenant. Ok. L'Autriche a déclaré la guerre à Sunda. Bon, si tu veux.
Plus tellement de sièges à faire ici non plus. Ok. Très bien. Hop. Là. Là. Très bien. Ok, alors, qu'est-ce qu'on veut de Vijayanagara? Fondamentalement, on a juste besoin de prendre des provinces, quoi. Y a pas grand-chose à dire de ce côté-là. On peut prendre ces deux-là pour donner à Gujarat, par exemple, vu que c'est dans l'état qu'il a, a priori. Et le reste, on prendrait pour nous. J'ai rien, on peut prendre ça. On peut prendre ça ici, pourquoi pas. Là, ça donne quoi, juste? Pas trop de problèmes de ce côté-là. Ils existent, mais ils sont pas trop problématiques. Les points admin sont pas non plus monstrueux à aller chercher. Prendre tout ce qui est sur la côte, comme ça. On peut prendre beaucoup, quand même, hein. On peut se faire plaisir. Voilà, on pourrait prendre tout ça. Un peu trop de surexpansion, pour moi, quand même. Donc, peut-être, calmons les choses. C'est vraiment, c'est surtout que c'est la surexpansion qui est pas nécessaire, à mon avis. Il faut faire attention, parce que on aura quand même... Voilà, je pense que prendre 86%, c'est déjà pas mal. Faudrait quand même regarder, faire le calcul. Qu'est-ce qu'il nous restera? Il nous restera 9. 14. 14 et 4, il nous restera 18%. A priori. Donc on ne faut pas dépasser les 82, idéalement. Ouais, on peut prendre ça, quoi. Quelque chose comme ça. Ouais, on peut prendre quelque chose comme ça, ça ira très bien. Avec ça, on lui prend du pognon. Est-ce que ça a un intérêt de lui prendre du pognon? Ouais, on peut refaire une guerre plus tard, sinon. Bon, je pense des war rep. Puis effectivement, un peu de pognon. Voilà. Comme ça. Mais bon, pour le moment, on va attendre qu'on ait fini de légitimer toutes ces histoires. Et du coup, surtout... piller un petit peu Vijayanagara, ça peut être utile. Ok, on commence à reperdre un petit peu de ça. Je propose de faire ça. Très bien. Ça, on lutte, mais on est relativement tranquille. Et on doit pouvoir se permettre d'améliorer lui, par exemple. Et d'améliorer lui. Ouais, c'est faisable. Ok, super. Ici, voilà, voilà, voilà. On occupe plein de trucs. Très, très bien. Alors, toi tu vas aller là, toi tu vas aller ici, c'est super, toi tu vas aller là, toi tu vas aller ici, ok, ici, là, vous allez tous appouler, voilà, il y a encore du monde là, ok, si tu veux, Vijayanagara, si tu veux. Les lettrés chaféistes, on les aura depuis plus ou moins le début quand même, non? Très bien. Par là, s'occuper de ça. Non, non, non. Là, se mettre dans des endroits aussi où on ne prend pas d'attrition serait pas mal. Et dans les jungles de Vijayanagara, ça va être un peu chaud, mais pourquoi pas? Ok, ici, ici. Ça, c'est des trucs qu'on va prendre. Allons piller Goa, je pense que c'est pas mal, non? Bien. Très bien. Non, wait, c'est pas les bons, ça. Alors, allez, comme ça, avec ces deux-là. Et vous, vous allez aller... ici. Bon, toi, tu peux effectivement aller là, et vous deux, vous prenez ça. Ok, on a roulé sur les mecs ici, très bien. Goa va être pillé comme il le faut. Ici, on peut piller aussi un petit peu. La noblesse s'inquiète, perdre instabilité. C'est gratos. Ok. Ok, il y a 20 000 troupes. Vijayanagara qui arrive là. Donc, se regrouper. Ici. Ok, ici on est regroupé, on va aller là maintenant.
Et là, c'est fait. La ville de Maka, ok. Modification nationale d'impôt, moins 20% pendant 15 ans, ou alors perte d'ancienneté, ok. Ouais, c'est vraiment sympa ces événements-là, cette suite d'événements, c'est cool. On peut en avoir encore un ou deux petits comme ça, hein, ça peut être fun. On est où de ce côté-là? Ok, on a qu'on peut pas faire encore. Refuser pour le moment la paix de Nage, de Vijayanagara. On ira la chercher après. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout d'un coup on gagnait genre 10? On est d'accord, on gagnait pas énorme, et là maintenant on perd 52. Il s'est passé quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non mais sérieusement, c'est quoi ce délire? Ok, on a perdu beaucoup d'impôts, d'accord, mais on n'a pas perdu à ce point-là. On a perdu 50 d'impôts avec cette histoire de moins 20%, ou bien. L'entretien des lieux saints. Des lieux saints. Qu'est-ce qui se passe dans le jeu avec cet argent? C'est débile. C'est débile. La lutte contre la corruption est ouf. En même temps, je peux pas faire grand-chose, hein. Ok, bah casse-toi, et puis casse-toi, et puis casse-toi, et puis voilà. Je comprends pas comment ça fonctionne cet argent, c'est incroyable. Prends-moi lui pour le moment. Lui, pour avoir au moins un point, et puis lui, ouais. Et là, on a ça qui nous est arrivé dessus, ok. Très bien. Particulariste, c'est un peu égal, honnêtement. Tant qu'on... Si on prend l'attrition ici, c'est un peu embêtant. Ok. Bon, c'est un peu dangereux, me direz-vous. Ça sert à rien d'aller se battre contre des... Non. On va rentrer à la maison, mais on va aussi prendre de l'attrition ici, je pense. Ok, très bien. Le reste, on est plus ou moins bon. Il faut juste qu'on finisse de légitimer ces provinces. Mais est-ce qu'on peut, en fait? Est-ce que je suis pas en train de pas le faire simplement? Non, 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 ça monte, ça monte. Hein, c'est juste que ça va encore prendre une année, quoi. Non. Est-ce qu'on peut améliorer les relations avec qui que ce soit? Non. Avec des alliés à nous, peut-être? C'est pas ça. C'est ça que je voulais voir avec la Grande-Bretagne. Là, ouais, on peut. Commençons par les Britanniques. Et puis voilà. Fanatique hindou à Ujjain, c'est où ça? Ok, on est à côté. Très bien. Alors, on peut prendre ça. Ah, intéressant. Aspiration à la liberté. Non. Non. Non.
Pourquoi pas. On va prendre ça. Ok. Non. Voilà, des rebelles qui se battent contre des rebelles, pourquoi pas? On revient devant Bretagne, on peut aller en Bohème maintenant. Pendant un petit moment. Juste regarder où on en est financièrement, on gagne toujours 43. Bon, on arrête de payer nos conseillers, qu'on payait 100 de conseillers avant. Ah, ils s'en sortent pas trop mal encore. Siège de... Ok. Ah, ben, c'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt. Super, ok. Alors, le reste, à part Ujjain, parce qu'on est en train de... convertir, a priori. Et je pense pas pour longtemps. Non. Le reste, ça devrait le faire. Donc, ok, on finit ça. Ok. Très bien. Alors. À Gujarat. On va donner. Vadondara, là. Vadodara, pardon. On va lui donner... Barucha, Combat, Almadabad, peine, Madabad. On va aussi lui donner ces deux provinces qui sont Baglana et Damina. Baglana et province Damina, Damana. Voilà. Bien, comme ça on l'a fait grossir un petit peu correctement, c'est déjà quelque chose. Ensuite, après on doit tout pouvoir légitimer le reste. Ou alors, pas du tout. Pourquoi on peut pas légitimer en fait? Parce qu'il faut qu'on légitime ça avant, parce qu'on n'a pas mémoire encore. Ok, je comprends. D'accord. Ok. Ok. On peut aussi convertir d'autres provinces. Ça nous prend quand même 33 mois. Ça pourrait être intéressant d'aller chercher un puissance démissionnaire. Ouais, mais bon, c'est celui qui est niveau 4. Bon, on va mettre celui-là, parce qu'il est effectivement intéressant. Les autres, on va pas les mettre pour le moment. Et puis, on va effectivement aller chercher des trucs ici. Ça va coûter quand même, donc on va passer en dessous. C'est pas très très grave, on a un capital pour le moment. Donc ça joue. Ok. A priori, on devrait pas se battre contre les rebelles quand on est Black Flag, donc je me fais pas trop de soucis. De ce côté-là, c'est super. Toujours pas trop réfléchi à ça. Mais bon, on verra tout ça de toute façon la prochaine fois, puisque cet épisode est arrivé à son terme. Je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.